Bonjour à toutes et à tous. Bonjour Olivier. Bonjour. Dans ce webinaire, donc on est le deuxième webinaire de notre série. Il est 10 heures sur ma montre, donc je ne sais pas si on attend Olivier une minute, que d'autres personnes se joignent à nous. Oui, on peut. Allez, on va attendre une minute, si vous permettez. Alors, bonjour à toutes et à tous. Merci pour votre présence dans ce webinaire. J'ai le grand plaisir de dire la bienvenue, de souhaiter la bienvenue à notre collègue et partenaire dans le projet Fin d'Access, Dr. Olivier Chazal du Grand Office. Donc, le projet Fin d'Access est un projet Twinning, donc c'est un programme H2020 financé par la Commission européenne. L'Institut Pasteur, il est coordinateur de ce projet et nous avons des partenaires, quatre partenaires, l'Institut Pasteur Paris, le CRG, le Centre de Régulation Génomique à Barcelone en Espagne et Max Planck Institute et Robert Koch Institute en Allemagne. Et donc, dans le cadre du Work Package 7, donc c'est un Work Package qui concerne tout ce qui est pérennisation et maintien des actions du projet. Donc, nous avons organisé ce webinaire. Donc, sans trop tarder, je cède la parole à Dr. Olivier Chazal qui va nous présenter le webinaire Introduction au design des projets. Donc, les slides sont en anglais et le speech, il est en français. À toi la parole, Olivier. Merci beaucoup. Alors, attends, je vais partager l'écran, j'enlève la caméra. Voilà. Alors, est-ce que vous voyez bien mon écran? Oui. Oui, oui, Olivier, c'est bon. Donc, bonjour à tous. Le titre du webinaire d'aujourd'hui sera « Introduction to Project Design ». Donc, introduction à la conception de projet. Je suis Olivier Chetzley, je suis actuellement Project Manager au Grand Office de l'Institut Pasteur. Pour me présenter rapidement, j'ai fait un doctorat en chimie en France à l'Université de Rennes, dans le domaine des piles microbiennes. J'ai une expérience de postdoc aux Pays-Bas, dans un institut de technologie de l'eau, où j'ai été recruté ensuite, enfin j'ai été recruté à la base sur un projet européen et j'ai continué un petit peu ma carrière scientifique là-bas en tant que project manager où un de mes rôles était de candidater beaucoup pour mes collègues. Pour les projets. Il y a un souci. Non. Juste, j'invite les participants de muter leur micro, s'il vous plaît. Donc, c'était juste un participant. Allez-y, Olivier. Très bien. Et
Tout ça pour dire qu'avec l'expérience de montage de projet que j'ai eue aux Pays-Bas, je me suis recyclé à l'Institut Pasteur de Paris en tant que project manager, où mon rôle consiste à faire de la veille des opportunités de financement, à assister les chercheurs à monter des dossiers pour obtenir ces financements, et une fois qu'ils sont financés, les aider à les gérer. Donc dans la présentation d'aujourd'hui, donc qui est axée vraiment sur une introduction sur ce qu'est un projet et un petit peu aussi vous familiariser avec le jargon de la Commission européenne, je vais commencer par vous présenter un petit peu la structure des propositions de projet à l'Europe pour que vous compreniez un petit peu dans quel cadre les choses se situent. Je ne sais pas à quel point vous êtes familier, mais j'ai cru comprendre que certains d'entre vous allaient tenter de candidater à certains des appels à projets de l'année prochaine. Mais globalement, les projets européens ont toujours un petit peu la même structure. En tout cas, pour les projets collaboratifs, c'est une structure en trois parties. Donc, pour information, les dossiers pour les propositions qui vont venir, ils font un maximum de 45 pages, donc c'est assez conséquent déjà. Et il y a systématiquement la même structure, à savoir une première partie excellence, une deuxième partie impact, une troisième partie implémentation. Je vais vous détailler un tout petit peu le contenu de ces parties, que vous vous situiez un petit peu. La partie excellence, typiquement, donc vous voyez ici, ça fait... Au total, il prévoit 19 pages, il conseille 19 pages. Il y aura une première partie qui sera vraiment sur les objectifs et les ambitions de votre projet. Et les objectifs au regard du programme de travail de la commission. C'est-à-dire que la commission a des impératifs, elle ouvre des appels à projets pour que des avancées soient faites dans certains domaines particuliers. Et là, vous devez détailler les objectifs de votre projet, comment est-ce qu'il se situe par rapport à ce programme. C'est aussi là que vous allez devoir démontrer à quel point votre projet est ambitieux, à quel point il va au-delà de l'état de l'art, et également quel est le niveau de maturité. Au niveau européen, on parle de Technology Readiness Level. Donc la maturité, c'est est-ce que c'est très fondamental, donc vraiment au niveau du concept, de l'idée, et que c'est très dans le laboratoire, ou est-ce que c'est déjà plus avancé sur la chaîne d'innovation, est-ce que c'est déjà plus proche du marché, par exemple. La deuxième partie, la partie excellence, c'est la méthodologie, donc c'est votre méthodo en général, ce que vous allez faire, les expériences que vous voulez faire, les choses que vous voulez démontrer. C'est également ici que vous allez devoir faire le lien avec les autres initiatives qui peuvent exister, que ce soit au niveau national ou international. C'est là aussi que vous allez devoir argumenter de l'aspect interdisciplinaire, de montrer si vous arrivez à intégrer les sciences sociales. C'est ici que vous allez devoir parler. Alors, j'ai mis gender balance, je me suis trompé, c'est gender dimension. Gender dimension, c'est vraiment, si vous faites surtout de la recherche dans le médical, les aspects de genre peuvent avoir un rôle. C'est-à-dire que hommes et femmes ne sont pas forcément affectés de la même manière par une maladie. Et donc, il faut montrer si c'est pertinent, à quel point est-ce que vous adressez cet aspect-là. Et c'est aussi dans cette partie que vous allez devoir un petit peu montrer que vous allez correspondre aux pratiques de sciences ouvertes, donc publiées dans des journaux avec open access, ce genre d'activité. Et aussi, comment est-ce que vous allez gérer les données qui vont être générées dans votre projet. L'impact, elle est constituée de trois parties. Une première partie qui représente l'impact finalement par rapport à ce qui est demandé dans l'appel à projet spécifique, donc l'impact sociétal. Vous allez devoir décrire ce qui peut représenter une barrière. Donc si vous développez une technologie, est-ce qu'il y a des choses dans la législation, par exemple, ou n'importe quoi qui pourrait freiner finalement le développement futur de vos recherches. Également pour informer finalement les décideurs sur les choses à modifier.
Et la deuxième partie de la partie impact va être importante pour cette présentation, puisque cela concerne les mesures pour maximiser l'impact. On parle de dissémination, d'exploitation et de communication. Dans cette présentation, je vais essayer de clarifier un petit peu les différences qu'il peut y avoir entre ces trois mots. Au début, on peut être un petit peu confus. Ça n'a pas toujours été clair pour tout le monde, et c'est normal parce que c'est très spécifique. Et donc dans cette partie, il faudra justement présenter un peu ce que vous proposez pour tout ce qui est dissémination, exploitation et communication, et également ce que vous proposez pour la gestion de la propriété intellectuelle. Puisqu'il s'agit de projets collaboratifs, il va y avoir de la propriété intellectuelle qui va être générée chez différents partenaires. Comment est-ce que cette propriété intellectuelle va être protégée d'une part, mais aussi mise à disposition pour de possibles utilisateurs futurs. Et enfin, la partie impact termine avec un sommaire qui est, je dois dire, assez pratique. C'est nouveau avec le nouveau programme Cannes. Cette partie n'existait pas avant. Et elle est constituée de tableaux. Dans ces tableaux-là, vous allez spécifier finalement quels sont les besoins particuliers qui ont initié ce projet, quel est le manque dans la société qui requiert une recherche particulière, quels sont les résultats attendus, et détailler un petit peu les différentes mesures que vous allez mettre en place pour disséminer, exploiter et communiquer. Il y aura un peu plus dans le détail après de ce que ça veut dire. Et c'est aussi ici que vous allez pouvoir identifier les groupes cibles de votre communication, les outcomes de votre projet et l'impact d'une manière générale, que ce soit scientifique, économique, sociétal. Ça, c'est pour la partie impact. Et enfin, la dernière partie, c'est la partie implémentation, quality and efficiency of the implementation. Et c'est ici que finalement, après avoir montré la science et l'impact, c'est ici que vous avez montré vraiment comment votre projet va s'organiser. C'est vraiment le plan de bataille. Donc c'est ici qu'on va parler de work plan, donc de work package, de comment est-ce que vos activités s'inscrivent dans le temps, de comment est-ce que vos activités s'inscrivent les unes par rapport aux autres avec le PERT chart. C'est ici que vous allez définir des milestones, des livrables et tout ça. Donc toute cette partie-là, c'est ce que je vais vous présenter juste après. Donc c'est vraiment l'objet de l'introduction à la conception de projet. Et donc cette partie, elle se termine avec un peu une description de votre consortium, de quels partenaires, quelle est la contribution respective de chaque partenaire, comment est-ce que il y a des synergies qui s'opèrent entre les différents partenaires et éventuellement également quels autres acteurs peuvent être impliqués. Donc ça, c'est vraiment une overview très, très rapide pour que vous ayez à l'esprit que ce que je vais vous présenter, ça s'inscrit vraiment directement dans le format qui est demandé pour remplir des dossiers de la commission. Et je vais essayer de vous donner un petit peu des pistes pour bien comprendre la logique qu'il y a derrière. Je sais que quand moi j'ai commencé à travailler sur des projets européens au sortir de ma thèse, finalement je me rendais compte que réfléchir en termes de gros projets collaboratifs, ce n'était pas quelque chose qui était automatique. Et c'est pour ça qu'il y a certains outils qui existent qui permettent de réfléchir à un projet. Sans attendre, je vais commencer vraiment le corps de la présentation. Donc, quand on parle de projet, c'est intéressant de se poser la question de qu'est-ce que ça veut dire un projet ? Qu'est-ce que c'est ? Et si on interroge Wikipédia, je vais vous lire en anglais, hein, du coup, y a deux définitions qui ressortent. Une première qui est « Any undertaking carried out individually or collaboratively and possibly involving research or design that is carefully planned to achieve a particular aim. » Et la deuxième définition, qui est un petit peu plus managériale, on va dire, c'est « a set of interrelated tasks to be executed over a fixed period and within certain costs and other limitations. » Dans ces définitions, il y a des mots-clés pour moi. Donc le premier, c'est « aim », objectif. Pourquoi est-ce que vous voulez faire un projet? Quel est l'objectif de votre projet? Quel est le problème que vous voulez résoudre?
L'aspect carefully planned, ça c'est particulièrement important puisque vous allez remplir des projets, vous allez candidater, vous allez être en compétition avec d'autres projets et il est important de montrer que vous avez bien réfléchi à comment votre projet va s'articuler, s'organiser dans le temps. Interrelated tasks, donc effectivement pour faire votre projet, vous allez avoir besoin de faire des choses et voir comment ces tâches s'articulent. Un projet va avoir une durée définie. Concrètement, pour la commission, c'est la durée où les coûts du projet vont être éligibles. Et il y aura certaines limitations, que ce soit en coûts ou, par exemple, en ressources humaines ou ce genre de choses. Donc ce qui est important de faire, c'est de se poser un certain nombre de questions, se demander ce que vous voulez faire, quel est votre objectif, qu'est-ce que vous avez besoin de quoi vous avez besoin pour qu'est-ce que vous avez besoin de faire pour atteindre ces objectifs. Donc ça c'est en lien avec les interrelated tasks, et ensuite de quoi vous avez besoin pour faire toutes ces activités. Donc typiquement, il vous faudra du temps, il vous faudra des personnes qui travaillent sur le projet, et puis il faudra d'autres ressources, des consommables, de l'équipement, ce genre de choses. Donc tout ça, ça va être vraiment à réfléchir et à définir pour rédiger votre projet. Et par ailleurs, l'organisme financeur, il va définir d'autres limitations. Donc par exemple, sur quel sujet va se porter l'appel. Donc ça va cadrer finalement la nature de votre projet. Si c'est un projet qui va être axé cancer, vous n'allez pas pouvoir proposer des activités pour le VIH, par exemple. C'est aussi le financeur, en général, avec de la flexibilité, qui va définir la durée du projet. Typiquement, pour les projets européens, on parle de 3, 4, 5, 6 ans parfois. Et c'est aussi le financeur qui va définir combien d'argent vous allez pouvoir demander. En fonction des appels, surtout pour les appels collaboratifs, ça peut varier fortement. Ça peut être 1 ou 2 millions, ça peut parfois être 20 millions. Cela dépend énormément. Si je résume un petit peu, un projet, finalement, ça va être quelque chose qui va s'inscrire dans le temps, où vous allez partir d'un état de l'art, d'un point de départ pour atteindre un objectif. Et pour ce faire, vous allez faire un certain nombre de tâches pour atteindre cet objectif. Le message clé ici, c'est que donc c'est une succession de tâches qu'il est important de bien organiser. Et pour cela, on va parler un petit peu de certains outils conceptuels. On va parler un petit peu de ce qui est Work Package, Tâche, Délivrable, Milestone, et les PERT et Gantt Chart. Donc pour faire ça, moi j'ai proposé d'imaginer un projet fictif. Donc dans mon projet fictif, je me définis comme objectif le fait de créer un modèle prédictif pour anticiper les risques d'une épidémie, on va dire pour une nouvelle maladie bactérienne, pour mieux informer les décideurs, les politiques. Et pour réaliser ce projet, ce que j'ai en tête un petit peu, c'est que je vais avoir besoin, moi qui va être spécialisé plutôt sur les bactéries en tant que telles, je vais avoir besoin d'échantillonner. Un de mes partenaires, lui, il est très fort en intelligence artificielle. J'aimerais qu'il collabore avec moi pour travailler sur ce projet. Je vais aussi avoir besoin de données épidémiologiques. Donc je vais impliquer un partenaire hospitalier. Tout ça pour, à la fin, avoir une liste d'actions pour informer les décideurs publics. Pour qu'ils puissent mettre en place les bonnes mesures. Donc cela étant un petit peu, ça c'est un petit peu les idées de départ, maintenant on va voir comment est-ce que je peux les organiser de telle sorte que ça puisse être un petit peu convaincant pour un projet. Et pour ça, je vais invoquer un peu le concept de work packages.
Donc là, je vous ai expliqué juste avant qu'un projet, c'est une succession de tâches. C'est un petit peu un raccourci, hein. En général, c'est un projet, c'est pas trois tâches qui se succèdent les unes après les autres. C'est plus compliqué, surtout dans un projet collaboratif, hein, puisque tous les partenaires vont pas forcément travailler sur les mêmes tâches. Et en général, ça va plus ressembler à quelque chose comme ça, où les tâches vont être organisées en work package. On peut voir un work package un peu comme un ensemble de tâches cohérentes et qui vont alimenter d'autres work packages jusqu'à atteindre nos objectifs. Donc pour mon petit projet fictif, je me suis dit qu'un premier work package devrait être concentré sur ce qui est échantillonnage et caractérisation. Donc, je vais définir une première tâche pour collecter des échantillons dans différents environnements, une deuxième tâche pour caractériser ces échantillons et une troisième tâche pour les séquencer. En parallèle, mon collègue informaticien, lui, il va travailler dans un autre work package qui sera plutôt lié au développement de l'intelligence artificielle. Donc pour lui, il va avoir besoin d'une première tâche qui va consister à construire l'algorithme de base, l'architecture de base de son algorithme. Une deuxième tâche qui va être l'apprentissage profond, je crois qu'on dit en français, du deep learning de son algorithme avec des phénotypes et des séquences standards. Et enfin, une troisième tâche, ça va consister à valider cette intelligence artificielle avec les vrais échantillons qui auront été collectés dans le premier work package. Encore en parallèle, sur l'aspect plutôt épidémiologie, on va définir une tâche qui consistera à collecter les données des hôpitaux, une deuxième qui va consister à les compiler avec d'autres données, données environnementales, les données socio-économiques. Le tout pour une dernière tâche qui consisterait à élaborer les profils de risque. Un dernier work package où tout se combinerait pour créer ce modèle prédictif avec une première tâche qui consisterait à faire le lien entre les prédictions de l'intelligence artificielle avec les profils risques et une autre pour élaborer une liste d'actions qui devrait être pour l'implémentation et minimiser les risques. Donc tout ça, c'est un projet fictif hein, qui sort de ma petite tête. Ne regardez pas le détail, hein, il y a sans doute des incohérences, mais c'est pour vous donner un petit peu une idée de comment ça se construit. Donc ça va être vraiment comment vous allez construire vous votre projet par rapport à ce que vous voulez faire, mais il faut garder à l'esprit que l'organisme financeur va avoir aussi des demandes. Et typiquement, il y a toujours des work packages qui vont être plus ou moins imposés, notamment communication et management. Donc dans certains appels à projets, il pourrait y avoir d'autres work packages qui pourraient être imposés en fonction du contexte, hein. Je pense par exemple à certains projets de réseau doctoral, par exemple, où là il va y avoir un work package qui sera dédié à la formation. Mais tout ça, c'est pour vous donner un peu l'idée qu'il y aura à la fois vos work packages et ceux qui sont imposés par l'organisme financeur. Alors. Donc maintenant qu'on a parlé de work package, on a un petit peu la structure du projet. Il y a deux autres concepts qui sont assez intéressants dans ce contexte, qui sont les délivrables et les milestones, qui sont des outils qui permettent de suivre le progrès du projet et qui permettent notamment de guider les évaluateurs dans votre plan de travail et qui montrent aussi que les objectifs que vous êtes fixés ben, vont être atteignables. Donc ça permet de crédibiliser votre plan de travail. Et en termes de définition, un délivrable, ça va être quelque chose qui est tangible ou intangible, qui va être un résultat du projet. C'est vraiment un résultat du processus de recherche que vous allez concevoir. Alors que
Un milestone, pour moi, un milestone, c'est plus un, c'est vraiment un objet managérial. Ça permet de mesurer le progrès de votre recherche et c'est un point clé dans votre projet que si vous ne l'avez pas atteint au moment où vous l'avez défini, il peut y avoir des décisions à prendre. Je vais préciser un petit peu plus ce que j'entends par là. Mais ça, par opposition au délivrable, ce n'est pas quelque chose que vous allez devoir délivrer. C'est pas quelque chose, un délivrable, typiquement, pour la commission, c'est quelque chose que vous allez devoir uploader sous la forme d'un PDF sur leur site. Alors qu'un milestone, c'est plutôt une indication pour vous, est-ce que le projet est dans les clous ou est-ce qu'il va falloir adapter notre plan pour toujours atteindre les objectifs. Donc j'avais prévu un petit quiz. Donc j'espère que vous participerez, sinon je vais me sentir très très seul. Je vais vous donner des exemples et ce sera à vous de me dire si c'est plutôt un milestone ou plutôt un délivrable. On va commencer avec un project management guide, un guide pour le management de projet. Alors, selon vous, est-ce que c'est plutôt un milestone ou un délivrable? Soyez pas timide. C'est activé à votre niveau. Allez-y. Pardon? Il y a Nihel? Nihel? Vous voulez intervenir, Nihel? Allez-y, activez vos micros si vous voulez intervenir. J'ai entendu indélivrable. Je pense que c'était Nihel ou quelqu'un d'autre. Je n'avais pas entendu. Effectivement, ce sera indélivrable. Donc, typiquement, un guide, ça va être quelque chose qui va pouvoir être uploadé pour satisfaire la commission, mais c'est quelque chose que vous allez imprimer, que vous allez fournir à vos partenaires. Et c'est quelque chose de tangible, de concret. Project Flyer, une brochure sur le projet, ce serait plutôt quoi? Pareil, effectivement, quelque chose de concret, imprimable, qu'on va pouvoir donner. Validation of biomarkers. C'est un milestone. C'est un milestone, effectivement. Donc là, pour bien visualiser, on peut imaginer dans ce projet-là, s'il n'y a pas eu validation des biomarqueurs, que ça va pas permettre de continuer. C'est-à-dire que si les biomarqueurs ne sont pas validés, on ne va pas pouvoir mettre en place les tâches qui nécessitaient cette validation. Donc c'est véritablement un point clé, c'est un moment d'interrogation dans le projet où vous allez devoir typiquement prendre une décision. Est-ce que je vais allouer plus de temps pour avoir cette validation? Est-ce que je choisis une route alternative? Est-ce que d'autres marqueurs, par exemple, selon vous? Donc, un milestone, c'est vraiment un outil de gestion de projet qui vous permet de vous poser des questions sur est-ce qu'on peut continuer comme prévu ou est-ce qu'il faut report and validation of stratification markers. C'est un délivrable. C'est délivrable, très bien. Vous avez saisi pour la suite. C'est les concepts de milestone et délivrable, on observe ça avec. Ça a coupé, Olivier, ça a coupé. Olivier, je ne sais pas, peut-être c'est Rarda qui a essayé de muter les micros. Rarda, est-ce que tu peux activer le micro d'Olivier, s'il te plaît? Non, c'est bon, je l'ai activé. Ah voilà, merci. Merci. Ça a coupé à quel moment?
Alors, c'est juste avant le report on validation of stratification markers. D'accord. Merci. Donc quelqu'un avait dit délivrable. Hein. Donc, effectivement, il y en a toute une liste, je vais passer assez rapidement, mais il y en a qui peuvent être parfois un petit peu confus, genre digital tool for data acquisition. Ça peut être un délivrable, mais en fonction de comment c'est formulé, on pourrait aussi voir un milestone là-dedans. Donc l'intérêt, ce sera dans la manière dont vous rédigez. En général, il n'y a pas vraiment matière à avoir confusion dans la structure du projet entre des délivrables et des milestones, notamment parce qu'ils sont appelés délivrables ou milestones. Mais gardez ça à l'esprit qu'un délivrable, ça va être plus comme les guides ou les rapports, mais ça peut être aussi un prototype ou n'importe quoi qui va être concret et sortir de votre projet. C'est plus la manifestation d'un résultat, alors qu'un milestone, ça sera plutôt vraiment pour un outil pour décider si le projet suit son bon cours ou s'il faut prendre une décision. Pour moi, c'est vraiment le milestone, c'est quelque chose que je vais associer à tout ce qui est risque dans le projet. D'ailleurs, en général, je conseille d'utiliser les milestones pour définir un petit peu les risques qui peuvent exister dans le projet. Alors. Voilà. Donc, j'avais d'autres exemples. Hein. Management framework in place, formulé comme ça, c'est plutôt un milestone. First study subject approval package. Ça, en fonction de comment on regarde, ça pourrait être les deux, mais je dirais plutôt un milestone. Biosample and data storage infrastructure available. Parce qu'il y a available, c'est plutôt un milestone. Le recrutement des 100 premiers patients, c'était un exemple que je n'ai pas cité au début. C'est évidemment un milestone. Un plan de dissémination, là par contre, ça va être un délivrable. Délivrable qui devient de plus en plus obligatoire. Donc, on verra ça dans la partie qui va suivre. Donc si je reprends mon projet, j'ai regardé un petit peu ce que je pouvais définir un peu comme étant des milestones ou des délivrables. Donc je me suis dit que la première chose qui me semble évidente, c'est que si je n'ai pas pu collecter tous mes échantillons, je ne vais pas pouvoir faire tout ce qui est caractérisation et séquençage. Donc j'ai décidé de définir ça comme étant un milestone. Si je n'ai pas mes échantillons, ça pose un problème pour la suite du projet. Et ça conduira à une décision. La décision pouvant être d'arrêter le projet aussi. Hein, si vraiment vous avez des étapes très risquées. En général, quand vous rédigerez vos projets, vous éviterez ce genre de milestones qui sont des game stoppers. Pour les deux autres tâches, je me suis dit qu'un rapport là-dessus qui pourra conduire à une publication, par exemple, c'est tout à fait convenable. Pour le deuxième work package, le code de l'algorithme, ça peut être un délivrable. Et la validation de l'algorithme, par contre, puisque je vais en avoir besoin pour la suite, ça serait un bon milestone. Et enfin, pour le troisième work package, hein, même logique, si je dois collecter des données, si les données ne sont pas collectées, ça posera un problème par la suite. Donc ça va être plutôt un milestone. Et je vais définir un délivrable sur les activités des tâches 3.2 et 3.3. Enfin, à la fin du projet, puisque mon objectif, c'est une liste d'actions pour les décideurs publics, ça peut très bien être un délivrable. Donc j'espère qu'avec ça, vous ne ferez plus la confusion sur un délivrable et milestones. Les autres outils dont je vais vous parler pour cette section, ça va être ce qui est per chart et gain chart. Alors là, c'est de la même manière, c'est des outils qui permettent à l'évaluateur de comprendre votre projet et d'évaluer s'il est crédible, s'il est faisable avec ce que vous proposez. Donc là, c'est plutôt des outils visuels qui permettent de visualiser un petit peu votre projet. Le PER chart, il y a différents niveaux de complexité dans les PER charts. Hein. Si vous faites une recherche Google de PER chart, vous allez avoir des trucs parfois un petit peu complexes. En général, pour les projets européens, on reste à un niveau assez simple, mais
ça représente le, on va dire le flux d'informations d'un work package à l'autre. Alors que le Gantt chart, c'est, ça présente l'information sur, sur la base d'une une timeline. Donc c'est, ça représente votre projet sur la durée d'activité de votre projet. Pour vous montrer un peu plus précisément, donc les, comme j'ai dit, les work packages, c'est, ça représente le flux d'informations, le per chart, ça représente le flux d'informations entre les work packages. Si j'utilise mon exemple, moi je l'ai présenté comme ça. Donc à savoir que le work package le work package 1 va alimenter le work package 2, qui en retour va alimenter le work package 4 avec le work package 3. C'est un petit peu ça, c'est vraiment le flux d'informations dans le projet. Vous voyez que j'ai mis des flèches horizontales vers un work package communication, dissémination, exploitation. Là, c'est simplement pour manifester le fait que les résultats de recherche qui vont être générés dans chacun de ces work packages, ils vont aussi permettre de communiquer sur ces résultats, que ce soit par des publications, la participation à des conférences, ce genre de choses. Donc, c'est vraiment ça, c'est une image qui permet de comprendre comment votre projet s'articule. Pour ce qui est du Gantt chart, par contre, donc ça va être comment votre projet s'inscrit dans le temps. Donc, ce que je vous ai dit, c'est qu'un projet, ça va pouvoir durer 3, 4, 5 ans, et vous avez défini un certain nombre de tâches. Avec le Gantt chart, vous pouvez montrer comment ces tâches sont organisées pour aboutir à vos objectifs. Donc, par exemple, dans l'exemple de mon projet, j'ai fait un Gantt chart comme ça. Donc, il va commencer avec forcément la collecte des échantillons pendant la première année. En parallèle, le collègue informaticien, il va travailler sur son algorithme pendant la première année. Et le collègue dans les hôpitaux, il va collecter ses données pendant la première année. Et vous voyez que les tâches donc, vont se succéder en fonction du temps jusqu'à l'aboutissement. Donc ça permet à l'évaluateur de vraiment déterminer si vous avez bien réfléchi à ce que vous voulez faire. Et il va pouvoir se poser des questions de est-ce que vous avez prévu suffisamment de temps pour cette tâche ou pas. Donc ça permet vraiment de montrer à quel point vous maîtrisez le projet que vous proposez. Parce qu'un projet, il a une durée définie et spécifique. Et pour les évaluateurs, ce que eux, ils veulent savoir, c'est si vous allez pouvoir atteindre les objectifs que vous avez définis. D'ailleurs, d'une manière générale, pour la Commission européenne, ce qui va être important, une fois que votre projet va être accepté, finalement, ce qui valide, c'est vos objectifs et les moyens que vous avez mis que vous proposez pour les atteindre. Et s'il doit y avoir la moindre modification de votre projet en cours de projet, ça va toujours être au regard des objectifs qui ont été validés. Donc, par exemple, il est possible, dans certaines, si vous pouvez l'argumenter, de prolonger parfois la durée du projet, mais dans ces cas-là, il faut toujours argumenter que la prolongation est nécessaire pour atteindre les objectifs pour X ou Y raison. Typiquement, dernièrement, le fait qu'il y ait une pandémie mondiale, ça a permis de prolonger beaucoup de projets parce que forcément, la Commission comprend que ça a été beaucoup plus compliqué de travailler dans ces conditions. Mais globalement, un Gantt chart, c'est ça, c'est le tableau sur le temps de votre projet. Avec tout ça, je vous ai donné un petit peu les bases des outils conceptuels pour réfléchir à votre projet. Donc si vous réfléchissez à candidater à un des appels actuellement, ayez ça en tête. Ayez déjà un peu, faites déjà la gymnastique mentale de voir comment ça peut s'inscrire dans ces outils. Ça vous permet aussi de réfléchir un petit peu à comment organiser votre projet dans le temps. Donc cela étant dit, je vais enchaîner sur une partie qui concerne plus la partie impact, du coup, sur les fameuses communications, dissémination et exploitation. Ça va être principalement pour la partie 2.2, les mesures pour maximiser l'impact.
Et on va voir un petit peu ce que ça veut dire ces mots qui ne sont pas toujours très, très intuitifs. Si on commence avec la communication, donc la commission elle le définit comme étant des mesures planifiées, stratégiques pour finalement communiquer sur l'ensemble du projet. L'idée, c'est vraiment d'atteindre la société en général. C'est un des intérêts pour la commission, c'est de montrer aussi comment les financements des projets européens sont utilisés, comment les impôts des citoyens européens sont utilisés là-dedans. Donc c'est vraiment la communication dans le sens le plus large, avec l'idée de ne pas vous restreindre à vos audiences habituelles. C'est-à-dire que vous avez sans doute l'habitude de communiquer avec les autres spécialistes dans votre domaine. Ici, l'idée, c'est de communiquer sur tout le projet à tout le monde, que les gens de tous les jours, le public en général, aient une compréhension entendent parler de votre projet, comprennent pourquoi est-ce qu'il existe et ce que vous faites. Donc c'est la définition la plus large, on va dire. La dissémination, par contre, elle est beaucoup plus centrée sur ce qui est sur les résultats du projet. Si je vais formuler la définition de manière simple, la définition de la dissémination, c'est communiquer les résultats de votre projet à une audience qui va être en mesure d'utiliser ces résultats. Donc c'est ce que vous avez sans doute l'habitude de faire, hein. Publier dans des journaux, aller dans des conférences, là vous vous adressez à des gens qui vont pouvoir exploiter, enfin pas exploiter parce que l'exploiter c'est le prochain terme, mais qui vont pouvoir utiliser vos résultats et construire dessus. Donc c'est communiquer les résultats à une audience qui a un intérêt pour vos résultats. Et enfin, l'exploitation. Donc l'exploitation, elle concerne également les résultats, mais cette fois-ci, c'est vraiment sur l'utilisation de ces résultats en vue de faire quelque chose d'exploitable, c'est-à-dire que ça conduise à un produit ou un service qui va pouvoir atteindre à plus ou moins long terme, pas nécessairement pendant la durée de votre projet, mais sur le long terme. L'idée de dissémination et d'exploitation, ça va au-delà de la durée de votre projet. C'est vraiment comment ce que vous allez faire va marquer un petit peu la société en général. Et donc ça va concerner notamment comment est-ce que vous allez rendre vos résultats accessibles à des acteurs qui vont être en mesure d'exploiter ces résultats. Par exemple, faire des brevets qui vont pouvoir être exploités par un organisme privé pour produire un produit ou un service. Donc, si on résume, hein, la communication, c'est informer, informer sur votre projet et ses résultats. C'est l'information en général. La dissémination, ça va être rendre les résultats accessibles pour une utilisation par les gens qui ont un intérêt. Et l'exploitation, ça va être véritablement utiliser ces résultats pour transformer ça en innovation et en produit ou service. Si on regarde ça plutôt du point de vue temporel par rapport à votre projet, si on regarde la ligne du milieu, la communication, c'est quelque chose que vous pouvez faire dès le début de votre projet, dès le premier jour. Ça peut être par une coupure de presse dans le journal qui indique que tel projet vient de commencer, qu'il y a eu le kick-off, ce genre de choses. Et ça va durer jusqu'à la fin du projet. Donc la communication, c'est quelque chose qui concerne vraiment juste la durée du projet. Et pour ce qui est exploitation et dissémination, c'est quelque chose qui va pouvoir commencer quand vous aurez vos premiers résultats et qui sont destinés à aller au-delà de la durée de votre projet. C'est un petit peu le futur de vos résultats et préparer le terrain pour le futur de vos résultats. Alors, j'ai encore prévu un petit quiz. On va aller
Il faut aller vite, je n'ai pas l'œil sur la montre. Olivier, on est resté sur la slide « What's meant by exploitation ». Donc, je pense tu es passé sur d'autres slides. Oui. D'accord. Donc, je pense qu'il y a un petit décalage. Ouais. Alors, attends. Merci de me signaler, sinon j'arrête le partage et je recommence. Et peut-être voilà. Faire plein écran. Oh non, en fait, tout l'écran, pas une fenêtre, c'est mieux peut-être. Là, vous voyez. Oui, là, c'est bon. Donc, on est arrivé là. OK. Donc, quand je vous disais, quand je vous résumais ce qu'était communication, dissémination et exploitation, c'était cette slide-là. Donc, communication, c'est informer sur le projet et ses résultats. Dissémination, c'est communiquer sur les résultats et les rendre accessibles à des gens qui ont un intérêt à ces résultats, qui vont pouvoir les utiliser pour faire plus de recherches, par exemple. Et l'exploitation, c'est utiliser les résultats dans le sens les transformer pour produire un produit ou un service. Et ici, je vous montrais donc la timeline du projet où, comme je disais, la communication, c'est quelque chose qui va vraiment avoir lieu pendant la durée du projet, mais dès le début du projet, on peut communiquer sur le projet. Par contre, l'exploitation et la dissémination, il vous faut des résultats d'abord. Et ce qui est important, c'est que ça va au-delà de la durée du projet et que ça permet de pérenniser, on va dire, l'avenir de vos résultats. Et là, j'arrive à un quiz, je vais passer rapidement dessus pour vous demander un petit peu qu'est-ce que vous mettriez plutôt dans la communication, qu'est-ce que vous mettriez plutôt dans la dissémination ou dans l'exploitation. Par exemple, une newsletter. Une newsletter, ça va être plutôt de la communication, c'est quelque chose qui va être adressé à un public large. Une formation, ça va être plutôt de la dissémination, parce qu'en général, ça va s'adresser à une audience spécialisée qui va pouvoir utiliser finalement les informations de la formation. Une licence, ça va être du coup, de l'exploitation. De l'exploitation. Très bien. Un démonstrateur, donc un prototype destiné à communiquer. Ça, je dirais que ça peut être plutôt de la dissémination, je dirais, parce que c'est un outil de communication. Une press release, ça va être de la com. Une start-up, donc, qui a... Exploitation. Voilà. Si votre recherche conduit à des résultats qui vous permettraient de commencer une petite start-up, là, ça, c'est l'exemple typique de ski exploitation. Les réseaux sociaux, ça va être plutôt de la communication, parce que vous allez toucher une audience assez large. Une policy brief, que je ne sais même pas comment traduire en français, ça va être plutôt de la dissémination. Ou ça peut être de l'exploitation, en fait, aussi. Un brevet, de l'exploitation. Une publication scientifique, de la dissémination. Un produit, de l'exploitation. Ça, c'est pour vous donner un peu vraiment une idée de ce qui rentre dans quelle catégorie. Surtout quand vous allez devoir rédiger cette partie, savoir qu'est-ce qui rentre dans quoi. Et donc, quand vous allez construire votre communication, dissemination, exploitation plan, il va y avoir un certain nombre d'exercices à faire pour vous et d'identifier en fait particulièrement votre audience. Hein, que ce soit au niveau, il y a les catégories globales, hein, policy makers, researchers, industry, patient advocacy group, c'est bien. Mais d'une manière générale, pour les propositions de projet, c'est bien d'aller dans le détail. C'est beaucoup plus convaincant. Par exemple, si vous dites que
dans votre projet, vous allez pouvoir former le maire de Paris, l'Assemblée française ou les députés européens, que si vous mettez juste policy makers. Si vous identifiez bien votre audience, ça rajoute énormément de crédibilité, parce que ça veut dire que vous savez déjà vers où orienter votre communication. Et la deuxième étape, c'est d'identifier les outils auxquels vous allez avoir accès, que ce soit un site web. D'une manière générale, pour les projets européens, ils demandent maintenant d'avoir un site web dédié. Mais est-ce que vous avez accès facilement aussi à faire la presse, aux médias sociaux? Est-ce que vous avez la capacité de faire des posters, des brochures, d'organiser des événements, de faire des vidéos? Monsieur Olivier? Oui. Pardon, ça a bloqué la diffusion des slides. Ça s'est arrêté au slide quiz. Pouvez-vous remettre les slides? Merci, je suis désolé, je ne sais pas du tout si ça vient. Merci. Non, ça marche pour nous, je ne sais pas. Donc là... Tout à l'heure, ça marchait pour moi, ouais. Mais ça bloque parfois chez quelqu'un et non pas chez... Je pense qu'il y a un problème de connexion entre les participants. Ok, ça reprend là, avec un décalage, voilà. D'accord. Ça a repris. Ok, voilà. Merci. Là, c'est bon, vous êtes sur la slide. Oui. Oui. Ok. How to build your communication. Ok, merci. Donc, c'est ici que j'indiquais comme quoi il fallait être spécifique sur l'audience que vous avez en tête. Donc, lister les différents groupes que vous souhaitez atteindre et faire un petit peu l'inventaire des outils auxquels vous allez avoir accès. Alors c'est un peu basique, on va dire, mais je vous dirai pourquoi c'est important d'y réfléchir en avance et surtout de savoir comment vous allez le faire. Je pense par exemple à la vidéo. Nous, je sais que pour nos projets, on met systématiquement qu'il va y avoir une vidéo, mais en sachant qu'on n'a pas forcément facilement la capacité de le faire. Donc si vous n'avez pas un service com qui n'est pas surchargé sur site, faut réfléchir à comment est-ce que ça va pouvoir être mis en œuvre aussi. Il faut que ce soit crédible pour les évaluateurs, mais aussi il faut que... Si vous êtes financé, vous allez devoir le faire et faciliter la tâche du project manager qui viendra derrière et qui devra faire des choses que vous avez prévues et qui ne seront pas forcément simples. Ce qui est aussi important, c'est d'identifier le message par audience. Donc, par exemple, moi, pour les chercheurs que j'accompagne, je leur demande de remplir un tableau un petit peu comme ça, où on identifie l'audience d'une part, donc que ce soit les scientifiques, les associations de patients, les politiciens, le public, les médias, les entreprises. Identifier ce qui va être communiqué. Donc, pour les scientifiques, ça va être les résultats. Pour les associations de patients, ça va être les progrès pour de meilleurs soins. Et ainsi de suite, mais vraiment déterminer quels sont les messages clés pour chaque audience. Et pour ces messages, déterminer quel outil vous allez utiliser, que ce soit des publications, que ce soit des conférences, un site web, tout ça. Donc, préparez le terrain en organisant votre information comme ça. Ce sera d'autant plus... Alors, excusez-moi, il y a quelqu'un qui prépare un café à côté de moi. Dans notre salle de réunion. Donc ce tableau-là, il n'est pas forcément présent dans la proposition, mais pour préparer votre texte, je vous conseille de procéder de cette manière. Comme ça, vous pouvez bien mettre en face de chaque audience quel sera le message et quels seront les outils que vous allez utiliser pour convier ces messages. Et enfin, ce qui va être important aussi, c'est de montrer dans le temps à quel moment vous allez communiquer, à quel moment vous allez faire toutes ces activités. Donc pareil, ça se passe dans le Gantt chart.
Et comme dit, c'est bien de le mettre aussi spécifique que possible. Donc, par exemple, déjà définir à l'avance que, bon, à la fin de la première année, on va présenter à telle conférence spécifique et indiquer toutes les petites activités que vous avez prévu de faire. Et vous pouvez aussi indiquer, par exemple, que vous allez régulièrement produire une newsletter ou qu'à chaque fois qu'il y aura une réunion du consortium, vous pourrez faire une press release. Ce genre de choses. L'idée, c'est vraiment d'être le plus concret possible et le plus détaillé possible pour avoir de la crédibilité au regard des évaluateurs. C'est pas toujours simple quand on commence, hein, à monter un projet. Nous, généralement, on demande à l'ensemble des partenaires de lister déjà toutes les conférences qu'ils ont prévues de visiter dans les années qui viennent. Et lister aussi leur capacité à eux que ce soit de produire des vidéos ou que ce soit de quels sont les outils auxquels ils ont accès. Et finalement, pour conclure, votre plan de communication, ça va dépendre, du financement et de sa taille. Il y a certains schémas de financement qui ne vont pas forcément vous permettre de débloquer de l'argent, par exemple, pour payer un prestataire pour faire une vidéo. Donc c'est quelque chose à déterminer en fonction, de ce qui sera accessible. Donc j'insiste encore sur l'aspect réaliste, hein, du plan. C'est facile de promettre plein de choses dans les propositions, hein. Je tombe moi-même dans le piège, hein, quand j'aide à la rédaction de projet, quand on est assis à son bureau en train de rédiger le projet, on peut imaginer toutes sortes de choses, mais il faut essayer de vraiment se poser la question de à quel point ça va être réaliste et faisable et comment est-ce qu'on va le faire. Donc, typiquement, si une vidéo, essayer d'identifier un prestataire en avance et d'avoir un peu une idée des coûts que ça peut induire et pas se retrouver avec un projet où on a promis de faire une vidéo sans financement derrière. Je vous dis ça parce que c'est un exemple réel qui nous est déjà arrivé. Et étudier un maximum ce qui est disponible dans les différents labos avec lesquels vous allez collaborer pour vraiment déterminer ce qui sera faisable. Et sur cette note, je crois que c'était la dernière slide. J'espère que je ne vous ai pas endormi. Non, on est attentif. Merci beaucoup, Olivier. Merci pour cette présentation. Donc là, j'ouvre la discussion. Si vous voulez poser des questions, il nous reste encore, on va dire, 10 minutes, hein, pour les discussions. Alors, vous pouvez lever la main, activer votre micro et poser votre question. Alors, oui. Alors, on a des participants qui ont levé la main. Alors, j'ai vu Rahma, c'est ça? Alors, je commence par Lina. Lina? Lina, vous pouvez activer votre micro et poser votre question. À vous la parole. Oui. Mais Bonjour, bonjour, Lina. Lynn. Bonjour, Olivier. En fait, oui. c'est Najat Hadri. Ah, bonjour, Najat. Ah, d'accord. Bonjour. Donc, C'est d'un Lina, autre compte, en fait, sur mon PC. D'accord. C'est un pseudonyme, en voilà. fait. Une fausse identité. Oui, Najet, allez. Voilà. Je voulais tout d'abord te vous féliciter, Olivier et toi, Rim, pour cet événement, et Olivier en particulier pour la qualité de sa présentation. Vraiment, c'était très, très bien structuré, très exhaustif pour vraiment pouvoir permettre aux participants de cerner les APC davantage pour le project design, les éléments de base. C'est souvent, en fait, nous, on a l'habitude de ce jargon, mais vraiment, je me rends compte de plus en plus que vraiment aller vers le public et leur expliquer
ces terminologies et cette conception très particulière est toujours intéressante. Et donc, je te remercie encore une fois, Olivier, notamment pour, tu étais très, très explicite sur la partie dissémination et la nuance entre dissémination. Et communication et exploitation de résultats, c'est une composante primordiale pour l'évaluation des projets, donc à laquelle il faudrait vraiment faire très attention et bien décliner la montrer Olivier son public cible et toujours garder un œil ultérieurement au moment de l'implémentation si le projet passe. Garder donc pour mettre en place une stratégie très efficace tenant compte des différents publics cibles identifiés. C'est une étape clé pour la réussite et la visibilité et du projet. Voilà. Donc merci beaucoup. La parole à l'audience pour poser des questions. Merci Najat. Merci. Rarda, si tu peux m'aider, je pense qu'il y a une autre personne qui a levé la main, mais je n'arrive pas à l'identifier. Il y a Radweni Rawi Mounir, Monsieur Maroufi Mounir, d'accord. Je vois. Très bien. Ouais. Donc, à vous la parole, Monsieur Maroufi, si vous voulez poser la question. Oui. Oh. Sinon, il y a Lina. Lina aussi qui lève la main, je pense. Bon, là, c'était Najat, Lina. C'était moi et je viens d'annuler la main. Très bien. Ouais. En fait, en attendant que les autres se manifestent avec leurs questions, j'ai une petite question, Olivier, si tu permets. Je pense que ce n'est pas peut-être dans le formulaire des projets européens, mais je l'ai vu dans un autre projet, il y a une section pour rédiger tout ce qui est gender balance et la variabilité. Tout ce qui est qu'est-ce que tu en penses par rapport à ça? Est-ce qu'on les trouve dans les formulaires pour les nouveaux projets européens? Oui, alors il y a deux aspects à bien distinguer hein, quand on parle de ce qu'il y a gender balance et gender dimension. Ce sont deux concepts en fait différents. Gender balance, Ça va être quelque chose qui va sans doute être plutôt présent dans la partie implémentation et ça va dépendre un petit peu du type de projet, mais il va falloir démontrer que l'égalité entre les sexes va être considérée et qu'il va y avoir des dispositions particulières qui vont être mises en place pour faciliter le fait que notamment les femmes aient autant de chances que les hommes de travailler sur le projet. Donc ça va être l'aspect gender balance. Mais en général, je ne sais pas si c'est plutôt gender dimension auquel tu fais référence, parce que c'est maintenant systématiquement explicite dans la partie excellence, où il faut, ce que je disais en présentant le template, où il faut expliciter en quoi... L'aspect genre va être pris en compte pour la recherche. Ça veut dire, notamment dans les sciences médicales ou dans les sciences du vivant, par exemple, si vous ne faites que des recherches sur des souris mâles, vous risquez par exemple, peut-être de rater les spécificités des souris femelles sur le traitement que vous voulez considérer ou ce genre de choses. Donc, il faut pouvoir, si on parle d'une maladie par exemple, il faut pouvoir garder à l'esprit que pour X ou Y raison, un des deux groupes va être plus sujet à une maladie et expliciter en quoi c'est pertinent ou pas dans le projet que vous proposez. D'accord. Donc c'est toujours un petit peu compliqué. Par exemple, on a eu ces considérations dernièrement sur un projet qui étudiait plutôt ce qui était trypanosome, où effectivement, d'un point de vue sociologique, je crois que
il va y avoir, alors je ne veux pas dire de bêtises, mais un des deux groupes va être plus sujet parce que ça va être plutôt dans les pays en voie de développement, plutôt les femmes qui vont chercher l'eau, par exemple, ou ce genre de choses. Et que du coup, pour ces aspects-là, elles vont être plus sujettes à la maladie. Je ne sais pas si je dis une bêtise ou pas, hein. C'est peut-être l'autre groupe, hein. Je ne me souviens plus exactement. Mais pour la recherche en tant que telle, vu que les expériences qu'ils proposaient étaient vraiment sur des cellules spécifiques, c'était trop en amont pour considérer le genre. Donc, ce qu'on a dû faire, c'est dire, oui, il y a un aspect genre dans cette pathologie, mais pour notre recherche, c'est pas pertinent parce qu'on travaille à un niveau où l'aspect genre ne sera pas exprimé. D'accord. Merci Olivier. Et je vois que Imen Najjar a levé la main. Imen, c'est un plaisir de t'avoir avec nous. Imen Najjar, notre partenaire de la plateforme Biomix à l'IP. Imen, je te cède la parole. Oui, bonjour à tous. Bonjour. Alors, juste Olivier, je voulais, si possible, c'est toujours un plaisir aussi, Rim, hein, de participer à vos webinars. Olivier, si tu pouvais nous dire un petit peu plus sur le management du risque dans les projets européens. Surtout que maintenant, il y a beaucoup, vraiment beaucoup de types de risques à prendre en compte, hein, notamment l'environnemental, le sociétal, tout ça. Voilà. Merci beaucoup. Alors, par rapport aux risques environnementaux, sociétaux, il y a différentes définitions du mot risque, on va dire. Dans la rédaction du projet, dans la partie implémentation, on parle d'une évaluation des risques, mais ça va être les risques liés au projet, c'est-à-dire les risques que le projet ne délivre pas ses objectifs. Donc, c'est pour cela qu'on va utiliser les milestones que j'ai définis pour expliquer en quoi est-ce que... quelles sont les mesures qui vont être mises en place si on n'atteint pas tel ou tel milestone. Pour ce qui va être plutôt risque sociétaux, risque environnementaux, ça, je pense que ça concerne encore une autre partie qui n'est pas présentée là dans le template. Je ne suis pas rentré dans ces détails-là. Là, ce que je vous ai présenté, c'est vraiment la proposition scientifique. Pour la commission, on appelle ça la partie B. Et s'il y a une partie B, c'est parce qu'il y a une partie A. Qui est la partie administrative, et c'est dans cette partie administrative qu'il y a une section éthique où ces différents points vont être adressés. Donc ça va être notamment les considérations éthiques par rapport aux expérimentations sur les animaux, sur les cellules humaines, mais il y a aussi une partie environnementale, donc sur comment est-ce que si dans vos recherches il y a vous utilisez des pathogènes ou des produits toxiques, tout ça, quelles sont les mesures en place. Donc c'est plus de l'ordre du réglementaire, on va dire, et de la compliance. Donc il y a toute une section pour ça dans la partie administrative. Et typiquement, dans ces sections-là, pour l'Institut Pasteur de Paris, en tout cas, c'est là qu'on va décrire les procédures en place à l'Institut Pasteur pour tout ce qui va être BSL1, BSL2, tout ce qui va être vraiment mesures réglementaires et en place pour limiter les risques à ce niveau-là. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question, du coup. En fait, c'était une question un peu ouverte pour parler un peu plus de cet item-là, qui devient de plus en plus important et intéressant. Donc, c'était vraiment pour donner une idée aux auditeurs présents de cette section, effectivement, et de la complexité qu'elle peut avoir. Voilà. Donc, et comment, du coup, au Géo, comment vous travaillez sur ces deux aspects-là de risque, du management de risque par rapport aux délivrables qui peuvent être décalés parce qu'il y a, notamment là avec le Covid par exemple, hein, vraiment c'est le cas de le dire. Est-ce que vous travaillez à deux étapes, deux niveaux, avec les scientifiques et parallèlement sur tout ce qui est réglementaire, donc on peut dire entre parenthèses, seul au niveau du Géo, ou est-ce que vous partagez tout et lors des rédactions avec les scientifiques alors,
Il y a plusieurs niveaux de réponse. Donc, sur la partie, on va dire plutôt risque sur le projet, donc le fait qu'il y ait un retard sur un milestone ou qu'il y ait une pandémie qui éclate et qui fait que les gens ne peuvent pas travailler dans le laboratoire. Là, typiquement, on va assister les chercheurs dans la communication avec la Commission européenne pour trouver une solution qui, en général, va être une extension de la durée de validité du projet. Donc là, c'est vraiment très administratif à ce niveau-là. Pour l'autre aspect, donc plutôt les aspects réglementaires, là, on travaille en amont avec les chercheurs pendant le montage. Donc on a notamment deux collègues qui sont spécialisés sur les questions éthiques. Et donc, on commence par faire remplir le tableau donc dans la partie, cette partie administrative hein, qui complète la proposition scientifique. Il y a un tableau avec des questions sur les différents aspects éthiques. On leur demande ce sont des questions oui ou non. Donc, est-ce que vous allez travailler avec des cellules humaines? Oui, non. Est-ce que ces cellules proviennent d'une banque? Est-ce qu'elles sont obtenues commercialement? Ce genre de choses. On leur demande de répondre à toutes ces questions, par oui ou par non, et ensuite on va sélectionner les réponses oui, et là on va leur demander un petit peu plus, donc de nous décrire précisément ce qu'ils vont faire, par exemple sur des cellules, quel type de cellules, leurs références et tout ça. On va leur demander s'ils ont déjà les autorisations, et sachant qu'il ne faut pas nécessairement fournir les autorisations au moment de la soumission du projet, mais il faut pouvoir indiquer que les autorisations seront là quand les expériences commenceront, globalement. Merci Imane et Olivier pour cette discussion. Il y a Najet qui veut poser encore une question. Najet. Merci Rim. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions de la part de l'audience, parce que je vois encore la main de M. Maroufi, peut-être... Oui, merci beaucoup. Si vous voulez, après je rebondirai. Merci beaucoup. Bonjour tout le monde. Merci beaucoup Olivier pour cette excellente présentation. Je me présente, donc Rawi Mounir Maroufi, de l'Institut supérieur de biotechnologie de Monastir. Enchanté. Enchanté. Merci, de même. Et merci à Madame le Docteur Rim Kafi pour donc avoir organisé cet événement. Alors, ce que je voudrais savoir, ou plutôt, j'ai rejoint cette réunion avec beaucoup de retard et j'en ai pratiquement raté la moitié. Est-il possible d'avoir le diaporama? Oui, je transmettrai. Alors, juste, si vous permettez, M. Maroufi, que j'ajoute ce détail-là, peut-être pour les autres auditeurs aussi. Donc là, sur le site du projet Fund Access, vous avez les enregistrements du premier webinaire présenté par Olivier et de celui-là, avec les supports des présentations sur le site Fund Access. Merci. Et je voulais savoir aussi, bon, mais là, vous avez pratiquement répondu à ma question, si je pouvais diffuser donc auprès de mes collègues de l'Institut. D'accord. Là, je pose la question à notre project manager, Najet, pour répondre à cette question. Alors, tout d'abord, il faudrait que, parce que le support est la propriété de l'Institut Pasteur présenté, donc si Olivier ne voit pas d'inconvénient et si la diffusion portera toujours la mention du propriétaire du contenu, et aussi on aimerait bien que mention du projet Find Access et de l'Institut Pasteur, on serait que ravis, bien entendu. Olivier, est-ce que tu es d'accord avec moi? Alors, pour moi, il n'y a pas d'informations confidentielles dans la présentation. D'accord, non. Voilà. Donc, pas de souci. Avec plaisir. Donc, ça fait partie un petit peu de notre activité de outreach and raise awareness about project management sur lesquels on est en train vraiment de nous organiser. Donc, oui, c'est avec plaisir. Merci infiniment. Najet, si tu peux juste me dire si je dois rajouter le logo de Find Access quelque part. C'est vrai que je ne l'ai pas mis sur la présentation. Si tu peux m'envoyer par mail et me dire ce qu'il faut que je fasse. Et comme ça, je l'inclus et j'envoie cette version-là. D'accord. Très bien. OK.
Okay. Ah, très bien, on arrive à la fin de notre webinaire. Oui. Juste une dernière question. Vas-y, Najet. Si tu permets, si vous permettez tous. Alors, juste pour faire le lien avec la question Imen, par rapport à la préparation des aspects au risk management. Et, bon, juste vu qu'on est dans une, nous à l'Institut Pasteur, dans une démarche de structuration d'organisation dans notre Grant Office, donc le bureau d'accompagnement, de veille d'accompagnement de projet. On est en train, dans le cadre de ce projet, de profiter aussi de l'expérience des Grant Office de nos partenaires. Je voulais juste demander, Olivier, par rapport à la contribution, à l'intervention du Grant Office, par rapport à l'élaboration du full proposal. Donc, comment les choses sont organisées? À quel niveau vous intervenez exactement? Est-ce que, j'imagine que c'est un montage participatif, inclusif, qui se fait en même temps avec la contribution du scientifique et aussi en support, avec le support des membres du Grant Office. Si vous pouvez juste nous donner une idée sur cette organisation par des exemples. Alors, typiquement, on va agir différemment si c'est un projet en coordination ou en partenariat. Ça va être beaucoup plus léger puisqu'on va vraiment assister juste sur les questions administratives finalement et on laisse au coordinateur le loisir de s'organiser comme il veut. Pour les projets en coordination, la manière dont on procède, c'est que bon, déjà on incite les chercheurs à venir nous voir le plus tôt possible. Parce que plus on a de temps, mieux c'est. On commence par faire une réunion kick-off où on va écouter un petit peu le ou les chercheurs sur leur idée de projet et on va ensemble un peu discuter de comment on va les accompagner. Donc là, on a fait ça hier, par exemple, avec trois collègues chercheurs qui vont candidater pour un des appels en deux étapes dont la première deadline est en février. Donc on a défini avec eux comment on va procéder. Donc on va faire une réunion hebdomadaire. Toutes les semaines, on va se réunir pour faire un point. On commence par leur fournir les différents templates et tout ça, donc que ce soit les templates de la proposition, de budget, les templates éthiques et tout ça. Et on va voir avec eux. Par exemple, dans le cas qu'on a fait hier, il n'y a pas encore de décision claire sur les partenaires. Donc là, on leur demande de se dépêcher de prendre une décision à ce niveau-là, que nous, on puisse rentrer en contact avec les partenaires pour collecter les informations. Et on va les accompagner tout du long. Pour la partie excellence, donc on a aussi une collègue qui se spécialise dans l'écriture scientifique, donc qui va être capable de lire le texte et de voir d'une part si elle correspond bien, si ça permet bien de répondre aux attentes de l'appel, et d'autre part si c'est écrit de manière lisible. C'est-à-dire que typiquement, ce qu'on explique aux chercheurs, c'est que rédiger un projet, ce n'est pas rédiger un article, que les évaluateurs ne vont pas forcément être spécialisés au même niveau qu'eux dans leur domaine. Donc il faut, y a un peu une démarche d'éducation de l'évaluateur. Dans la manière de rédiger. Donc, on a une collègue qui s'occupe vraiment plus de l'aspect rédaction en tant que tel. Hein. Donc, elle va corriger comme une copie de l'école un petit peu en reformulant et tout ça. Sur les autres aspects, typiquement sur la partie impact, nous, on va proposer un petit peu des idées. Sur la base de ce qu'on comprend, on va stimuler, on va interroger aussi les partenaires s'ils ont par exemple accès à des associations de patients, s'il y a déjà des canaux de communication privilégiés pour essayer de collecter tout ça dans un ensemble cohérent. On va les aider à construire leur work plan aussi. Donc pour ça, on a parfois des textes un petit peu standards. Par exemple, sur comment est-ce que la propriété intellectuelle va être gérée à l'Institut Pasteur, sur la description de l'Institut Pasteur. Donc on essaye au maximum, en tant que Grand Office, d'avoir des outils déjà un petit peu tout prêts. On va par exemple aussi
prendre les templates en amont et on va les commenter pour expliciter un petit peu ce qui est demandé pour que ce soit plus accessible aux chercheurs. Donc on fait un accompagnement. Si c'est une coordination, on fait l'accompagnement du début à la fin et on est à disposition pour les moindres questions. D'accord. C'est clair, merci. Merci Olivier. Olivier, alors au niveau de l'assistance, si vous avez des dernières questions, on va clôturer le webinaire. Alors, dernier appel pour dernière question. Donc là, c'est clair. Bon, vous allez. Donc je vous invite à consulter le site du projet Femmes d'Accès et le site de l'Institut Pasteur de Tunis pour avoir le support de la présentation ainsi que l'enregistrement. Vas-y, Najet. Juste pour rappeler notre prochain événement prévu pour le 26 et 27, si tu veux, Rim. Donc, nous prévoyons un séminaire sur le renforcement des capacités et l'organisation des Grant Office. Ça va être une sorte de restitution globale par rapport aux leçons apprises dans le cadre du projet et ce qu'on avait fait durant cet exercice du projet pour structurer davantage le Grant Office de l'Institut Pasteur, tenant compte des expériences des partenaires. Et nous avons aussi prévu une séance de coaching. Donc, toutes les personnes qui se sont inscrites et qui ont exprimé intérêt par rapport à des écoles qui ont été identifiées, nous allons essayer de leur prévoir un coaching dans ce sens. Voilà. Donc, suivez-nous sur les réseaux sociaux et le site de Find Access pour avoir toute l'actualité relative au montage de projets et Grant Office. Merci. Merci Najet. Je remercie encore une fois Olivier pour sa présentation, pour son aide et son accompagnement tout au long de notre projet Femmes d'Access. Merci à vous tous pour votre présence et je vous souhaite une excellente journée et à la prochaine. Au revoir. Merci à vous. Au revoir. Merci Olivier. Au revoir.